Il était une fois une famille normale qui va découvrir quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Le bon sens. Moi, j'ai une échalote et une gomme mâchée. Et toi, Mariba? Moi, j'ai 35 sous. Et un mouchoir utilisé, René Charles. Et toi, Ernestin, tu as combien? Moi, j'ai 55 sous. Et ce module parfait! Est-ce qu'on a assez, Mariba? Pour aller voir un nouveau film James Bond? Si mes calculs sont exacts... Non. On pourrait négocier avec Gérard, papy Gérard. Ah, je pense pas qu'il va dire oui. La semaine dernière, on a déjà tout dépensé notre argent de poche pour ce stupide module très laid. C'est pas stupide. Allons négocier. Ouais. Oh, c'est mon bébé. Oh, mais c'est toi. Papy Gérard, nous voulons de l'argent. Mais, vous avez déjà donné la semaine dernière. Mais on en veut plus. Non. Oui. Non. Et vous l'avez dépensé pour ce machin. Non! Mais tu sais, avec un malvon du vent, là, ça va nous apprendre à nous défendre et à manier les armes! Eh bien, justement, c'est justement pourquoi je veux pas que t'ailles voir! Spécialement pour toi, prends le chat! Mais je vois pas par quoi? Eh bien, quand j'y pense, il y a juste des fous qui cherchent pas d'idées, je pourrais peut-être vous laisser aller là. Mais pour de vrai! Mais juste comme ça? Mais c'est louche, moi. Non. Vous devrez faire des tâches. Oh, ben non. C'est injuste. Un, deux. Hé, il y en a beaucoup trop, il y en a trois. C'est injuste, ça. Vous voulez aller le voir ou pas? Et maintenant, on va faire nos calculs mathématiques pour voir que prouver que c'est injuste. Ouais. Allons-y. Pas que j'ai grand. Tu vas voir quoi faire. Oh mon petit bébé Bobo, si je t'ai fait mal tantôt, je t'aime tant. Ma fille, selon tes vues, tu me vas plus d'argent. Mais, bon. C'est une mention. Ben, si tu cherches rien, je te vois. Regarde, d'après nos calculs, le MC2 de 43, il serait divisé par le cosinus de 24, et puis les vecteurs de la matrice, ça donne le 34 du numérateur du quotient de 72. Donc, d'après nous, l'isomorphisme doit finir dans le tiratine finie du métier du ventil à l'inopiradolant. Ben, ça nous donne que si tu nous donnes 10$ de moins, ça voudrait dire que tu nous donnerais une tâche de moins, puis qu'on a juste besoin de 20$, puis que une tâche, ça vaut 10$. Tu comprends ça? Maintenant, le père va utiliser, pour la première fois de la vie de sa famille, le bon sens. Non, isoprofil. Vous avez gagné. Mais vous devez faire vos deux tâches. Oui. Exécution. Oui. On y va.
Et voilà, une autre famille vivra heureux pour toujours, grâce au bon sens.